Le 24 juin 1947, l'homme d'affaires américain Kenneth Arnold est aux commandes de son avion privé au-dessus de l'État de Washington. Et à un moment, du côté du Mont Rainier, il voit des engins volants bizarres, neuf objets à la forme de déplacement vraiment pas habituel. Bon, Kenneth Arnold finit son vol et atterrit. Il va raconter ce qu'il a vu et expliquer que les objets observés se déplaçaient comme des soucoupes qui ricochent sur l'eau. Un journaliste déforme ses déclarations et rapporte à la presse une observation de soucoupe volante. Et à partir de là, ça s'emballe. L'observation de Kenneth Arnold est reprise en masse par les médias. Les gens vont dès lors être influencés à croire voir des soucoupes volantes là où il n'y a que des phénomènes connus et explicables. Ces témoignages sont rapportés aux médias, qui vont en parler, influencer encore plus le public, etc. C'est donc comme ça, avec l'observation de Kenneth Arnold, que commence le phénomène OVNI et toute la mythologie, je pense qu'on peut parler de mythologie, qui va avec. Cette croyance aux OVNI a pu apparaître et se propager grâce au contexte socioculturel de l'époque. Recul de la religion, progrès de la technologie, prémices de la conquête spatiale, développement de l'astronomie, avec encore à l'époque l'idée que la vie pouvait exister dans le système solaire, guerre froide avec l'URSS, etc. Dans le même genre, en Europe médiévale, avec les mentalités qui baignaient dans le christianisme, les mêmes observations d'OVNI auraient été interprétées comme des signes divins ou diaboliques. D'ailleurs, ça n'est sûrement pas un hasard si les apparitions de la Vierge Marie ont lieu la plupart du temps dans des régions ou dans des pays très catholiques. Et de même, en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, la chasse aux sorcières a été rendue possible car beaucoup de gens croyaient sincèrement, profondément à la sorcellerie, croyaient au diable. Pour reparler des ovnis, il y en a quand même une proportion pas négligeable qui est vraiment non identifiée, de nature et d'origine inconnue. Ça ne veut pas dire que ce sont des engins extraterrestres. Alors oui, l'hypothèse extraterrestre est une explication possible, mais elle est un peu gratuite. On ne sait pas du tout ce que c'est.